Eh bien, salut tout le monde! C'est Farage et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Quest dans l'Estran, le lieu où disparaissent tous les bateaux. Donc, je vous rappelle, hein, il y avait notre ami. Enfin, notre ami. Il y avait un gars dans le petit village portuaire là, ici, à Tahitirea, qui nous avait dit que justement les bateaux avaient été attaqués à l'ouest du détroit de Valor, etc. machin. Donc, je me suis téléporté sur l'île avec les sirènes. Et apparemment, ils ont l'air assez embêtés. Donc, j'imagine que c'est là que nous devons nous rendre pour cette quête annexe. Du coup, sans plus attendre, allons-y, allons aider nos amis! Même si je comprends pas qu'ils soient encore là, puisque on a remonté le temps, certes, mais elle est censée être morte, hein, parce qu'on a remonté le temps bien juste avant d'aller à l'Yggdrasil. Et à cette époque-là, lui, enfin, elle était morte. Mais enfin, bref, ok. Bon, ceci dit, si c'est que des monstres de cette trempe-là, ça devrait aller. Poséidon, ouais. Tu m'as pas l'air bien différent des autres, mais. Tu vaux pas salamandrin. Je te le dis. Tu ne vaux pas salamandrin, mon vieux. Allez, au combat. Alors, tiens, goûte à la gigantaille. Te faire de la poisson grillée, moi. Alors, tu as anti-magie, mais c'est pas grave. Tu vas nous faire. Tu vas nous faire ça, tiens. Voilà. Théo, tu vas nous faire. Frappe un seul ennemi. Tu vas nous faire la porte de l'âcre, écoute. Question. Question. Ah ouais, ils sont considérés comme deux groupes. Ok. Bon, bah dans ce cas, on attaque le roi. Pas mal. Pas mal du tout, même en fait. Toi, du coup, comme tu peux pas faire de sort, tu vas nous faire. Bah, non, tu sors, tiens. On se calme avec les anti-magie, oui? Ah, oh, et en plus Théo peut pas lancer de sort. Fuck. Fuck. Là par contre ça va être gênant. C'est pas des trucs qui soignent 50 PV un allié, un allié, un allié, un allié, un allié. Réduit agilité de tous les adversaires. Rendre tous les PV à tous les alliés. Bon bah écoutez, ça va être l'occasion de l'utiliser, hein. Bon, je peux jouer sinon des fois? Alors, toi, tu vas me faire un quadrilacère. Ça me paraît approprié. Allez, il y en a un de moins déjà. Toi, bientôt, tu récupères tes trucs. Donc ça, c'est bien. En attendant, ouais. Empêche l'ennemi de lancer un sort, ce serait bien.
Ok, ça m'embête d'utiliser ma feuille d'Yggdrasil. Ouais, ça m'embête. Ah, mais non, mais attends, j'ai le sceptre rappel, j'ai pas besoin de la feuille d'Yggdrasil. Je veux qu'elle gagne de l'XP, hein, tout simplement, c'est pour ça que je la ressuscite. Hein. Là, idéalement, il faudrait faire une porte de Nax. Toi, tu vas utiliser un croc de glace sur ceux qui sont là. Voilà. Non, mais. Bon bah très bien, vous voulez la jouer comme ça? On va la jouer comme ça. Comme quoi faut pas les sous-estimer, hein. Eh bah dis donc. Bien joué. Il m'a mis mon équipe KO. Ah, j'ai été trop téméraire, je me suis moqué de lui, bah voilà. Bon, c'est pas grave, ça passera, hein, mais ça m'apprendra à me moquer de lui. J'ai très mal joué, j'ai fait n'importe quoi. Tu vas faire... Tiens, on va faire ça. Toi, tu vas faire le critique systématique. Et voilà. Mais c'est bien fait pour moi, je me suis moqué, j'ai été trop confiant. Ah ben voilà, ça m'apprendra. Alors, oh Farège, merci d'avoir vaincu ces montres, tu nous as sauvé la vie. Les sirénaires ont attaqué mon bateau et m'ont jeté par-dessus bord. J'ignore comment j'ai survécu, tout ce que c'est que tu as échoué là. Tu étais grièvement blessé, incapable de bouger. La sirène a pris soin de toi, elle t'a sauvé la vie, tu le crois? Ouais. Il faut que tu la sauves, hein, ok. Pourquoi cette fois-ci, c'était la toute première fois que je voyais la sirène? Bah non. Je croyais que c'était une sirène venue me rendre visite, qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu sa mine déconfite. J'ai pensé ses blessures, tu l'as soigné, d'accord, et vous êtes tombé amoureux, blablabla. Ok. Tu as l'impression d'avoir déjà croisé ce... Bah oui, vous l'avez... Oui, oui. Oui, ça c'est pour le coup, c'est un paradoxe. C'est n'importe quoi. Bon. Ok, vous êtes sauvé. Et alors? C'est tout? Merci pour la récompense, dites donc. Alors, alignement. Tac, 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 tac. Et c'est tout, j'ai pas de récompense. Elle contemple l'océan, le regard triste en voyant, je crois que j'ai enfin compris, on ne peut pas plus ressentir. Ouais, d'accord, je vais rester ici encore un peu. Pourrais-tu prévenir les habitants? Bon, bah d'accord, et toi tu as rien à me dire, ce camarade pêcheur en route. Bon, on s'en fout, allez, ok. D'accord, je vais aller prévenir les habitants. Alors, téléportation à Tahitirea. Non, mais cette sirène, enfin, elle aurait dû. Normalement, elle est morte, hein. elle est déjà morte, ça, c'est un truc, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. Alors, allons prévenir les habitants que tout va bien. Ensuite, on se rend à Fnamme, là je sais pas quoi, pour le voir le garçon qui est attaqué par les monstres. Et après, je sais plus où. Je dois aller parler à... Attends, je veux bien aller prévenir les habitants, mais... Maison de Kai, peut-être? Bonjour. Non? Bah... Je dois prévenir qui? Attendez, j'ai même pas reçu de récompense, je dois prévenir qui? Toi, là, regarde, tu m'as parlé la dernière fois. Kai-san est sauf, il va bientôt rentrer, d'accord. Et c'est tout, j'ai pas de récompense, rien. Sans déconner. Le petit vieux là.
Oui, je l'ai sauvé, bien joué, voyageur. Les pêcheurs n'avaient pas trop le moral. Tu es arrivé maintenant que tu n'as rien à faire, ils vont. Ah, je t'offre ceci. Voilà, quand même. Une coiffe de corsaire. Une coiffe de corsaire, ouais. C'est pour qui la coiffe de corsaire? Chapeau magique. Pour Eric, j'imagine. Ah bah écoute, ma foi. Clairement, hein, vu comment ça augmente son agilité. Ok, parfait. Et j'avais pas les habits de corsaire aussi? Veste en cuir de dragon. Ah bon, j'ai ça moi? Ah oui. J'avais pas des habits de corsaire, il me semblait. Bon bah tiens, cadeau Eric. Très bien. Très bien, très bien. On va passer juste faire un tour à l'auberge pour régénérer les PM et ensuite on se rend dans la ville suivante. Et cette fois, je ferai attention, je ne sous-estimerai pas mon ennemi. Alors, je vais faire dodo. Ça aurait pu être gratuit, hein, j'ai quand même sauvé le votre pêcheur vedette. Bon, ok. Alors, magie, téléportation à Fnomme, je sais pas quoi là. Je sais même plus où c'est ça. Ah, c'est là. Nomen. Je sais même plus ce que c'est ce village. Ça me dit absolument rien. Qu'est-ce que c'est que ce village? Ah, c'est là où il y avait la... C'est là où il y avait la... La peinture maléfique. Mais quoi, la peinture maléfique est de retour aussi? Ça veut dire ça? Ce qui est ça aussi, c'est n'importe quoi, puisque tout ça, ça s'est passé avant que je récupère les orbes. Donc si c'est ça, ça devrait pas... Bon, on va voir. C'est peut-être pas ça du tout, hein. On va voir. Toi, t'as une quête à me donner. Ah, ok. Bonjour. Attendez, je pille. Bon. Ah. Salut, jeune homme. C'est l'heure d'aller au lit, mais les tambours font trop de bruit, je n'arrive pas à dormir, c'est la faute du monstre appelé Konga Bongo, il n'arrête pas de taper sur ses tambours, oui ça d'accord. Est-ce que tu peux les voir et faire en sorte qu'il s'arrête? Il est quelque part à l'extérieur du village. Que tu lui fasses en faisant... Oh non, vous me gonflez avec les combos d'équipe. 5 mini médailles, ça vaut le coup, hein. Mais voilà, ok, je la prends et puis de toute façon on verra. Ça c'est le genre de truc que je ferai, je pense, de mon côté, tranquillement. Parce que là, franchement, me voir essayer de me mettre en hypertonique pour faire ça, pour tuer un mob lambda, je pense pas que ce soit ce qui vous intéresse. Et moi, de toute façon, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc. Ah oui, toi, c'était quoi? Le célérisé, la lagune des gondolias, tu veux du célérisé, ok. Alors, jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas rester planté là à regarder ces gens danser, on doit les aider. Oui, je t'avais aidé dans une autre vie, mais bon, bref. Il s'est passé quelque chose, un monstre est arrivé et a ensorcelé tous les jeunes. Il n'a pas l'air de s'intéresser aux enfants et les personnes âgées, une chance pour moi. Mais c'est une catastrophe, il faut danser, il les fait danser. D'accord. Dans les ruines et vaincre ce monstre. Ok, bah allons-y. Pourquoi je sens que c'est la peinture qui est de retour? Hop là! Hé hé! Toi là! J'ai failli l'oublier. Alors, un lingot d'or. Bah parfait, ça doit se revendre cher. Super. Vu que j'ai plus beaucoup d'argent, ça tombe très bien, je dirais. Alors. Bah non, la femme n'est toujours pas là.
J'imagine que c'est dans l'envers, hein, puisque il m'a dit qu'il faut aller dans les ruines. Mais je sens qu'on va réaffronter la... Enfin, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je dis rien, on verra. Vous, vous êtes... Ouais, vous êtes quand même des trucs possédés. Est-ce que ça vaut le coup de les affronter? On va voir. Des pantins magiques maléfiques. Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Ok, très bien. Alors on snob les mobs. Le cloître maudit, j'imagine qu'il faut aller là-bas. Vous avez vu les petits diablotins? Visiblement, il fuit, donc c'est les diablotins de base. Lui aussi, il a pas d'œil vert, donc ça doit être le truc de base. Toi, tu n'as pas d'œil vert apparemment. Toi en revanche, c'est sûr que tu es nouveau, tu n'étais pas là avant. Et donc le cloître démoniaque. Oh, allez la carte. Ah oui, c'est vrai. C'est pas un raccourci ça? Non, non. Non, 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 laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Là, effectivement, ils ont les yeux verts, donc c'est bien ici. S'ils ont les yeux verts, c'est que l'aura de l'obscur joue son rôle ici. Mais ils ont pas tous les yeux verts, visiblement. Donc il y a que certains mobs qui ont été influencés par l'obscur, visiblement. Je vais peut-être me déplacer plus rapidement avec toi. Hey, je sais parce que j'aime bien cette attaque. Hey, ils ont survécu. Pas mal. Pas mal du tout. Tiens, après quoi d'ailleurs? Giga Cram, Giga Flamme, je sais pas. Bon, bref, peu importe. Un méga banque devrait suffire. Victory is ours. Parfait. À moi! Non, c'est pas par là. Allez, restez pas au milieu. J'imagine que c'est par là. La première fois, je vous rappelle, hein, si vous vous souvenez, on avait aussi complètement snobé les mobs dans ce donjon. Là en bas, il y a un coffre que j'ai déjà pris, donc c'est pas là. Et hop là! Voilà, on doit y arriver. C'était si long que ça ce donjon, j'ai l'impression de tourner en rond. Hop là! Bien joué, bien joué. Bon.
Allez, on y arrive. Tac, tac. On va sauvegarder quand même, juste au cas où. Ouais, je veux sauvegarder. Ça qui me plaît dans les Dragon Quest, on en est quand même à... combien? 66 heures de jeu, c'est quand même... c'est pas mal, hein, mine de rien. Vous voyez, j'ai toujours gardé ma sauvegarde de... avant qu'on détruise le temps. Eh ben, c'est pas grave, descend du monstre. Descends, non, descends. Voilà. Allez, allons-y. Alors. Bon, visiblement, ça a l'air d'être le maître du châtiment. Oui, dansez, dansez pour le châtiment. Sylvando, c'est pas tes petits camarades, ça? Bon. Bon, ceci dit, il est tout seul, donc ça veut dire qu'il doit pas être si insignifiant que ça, faut que je me méfie. Par contre, je pense que la lumière, tu dois la craindre vu que tu es maléfique. Ouais, sans plus, hein, franchement. Une porte de nacre, ça me paraît sympa. Le pouvoir divin! Ouais, bof. Et toi? Pas mal. Oui, si tu veux, mais ce ne sera pas suffisant. Moi aussi, je connais le châtiment du Malabar. Oui. Si je fais méga glace. Allez, coucher. La danse du châtiment. Tu vas quand même faire un multi-soin. On va pas être trop téméraire non plus, hein. Ah ouais, t'es comme ça toi. Hendrik, ce que tu vas faire, tu vas quand même mettre un sort de barrière magique. Juste au cas où. Toi. Le châtiment du Malabar. Toi, tu vas... bah du coup, tu vas attaquer. Allez. Ça suffit! Et en plus, maintenant, il ne peut plus faire d'attaque physique. Ça tombe bien, il n'en faisait déjà pas.
Allez, ça devrait être le coup final. Non? Toujours pas? Eh bah dis donc mon vieux, tu résistes? Tu résistes? Des efforts louables, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant. Voilà, allez, il reste plus que les deux là. Voilà. Non, t'es sérieux? Il est sérieux, lui. Non, mais... Alors, niveau 64, ça c'est bien. C'est tout? Un morceau de Kaleidolin. Ok. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Maintenant que tu as vaincu ce monstre, nous sommes de nouveau libres de nos mouvements. Le monstre qui nous a conduit jusqu'ici nous a demandé d'enfiler ses costumes très bizarres et nous a forcé à danser. Heureusement, tu es arrivé à pic. Ça va aussi danser plus longtemps, nous avons écroulé, d'accord. Et la récompense! Nom de Dieu! Donc j'imagine qu'il faut retourner au village parler aux gamins. Allez, tout le monde il est sauvé, c'est bien. J'aime bien, hein, franchement ça... J'aime beaucoup ce genre de quête annexe un peu scénarisée. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Tac, tac. Ah, il y en a un qui est toujours à voûter. Alors. C'est toi qui as battu le monstre, oui. Et merci beaucoup. Alors donne-moi... 10 mini-médailles. Ah ouais, pas mal. Toute cette histoire de Danse Moline nous a donné une très bonne idée pour attirer les touristes. L'ami de mon père qui a pensé, il le dira plus lui-même. Archie, l'ami de ton père. Qui c'est Archie, l'ami de ton père? C'est lui? Non. C'est Archie, l'ami de ton père. Ton père qui habite là. Toi qui as vaincu le monstre, on va prendre un crédit. Tu as certainement entendu parler de l'idée qu'Archie a eue pour attirer les touristes. J'ai hâte de voir ce que ça donnera. Non, j'ai pas entendu parler de cette idée. Archie, c'est pas le gars qui était à l'auberge? Ouais, c'est pas le propriétaire de l'auberge. On va aller voir. Bonjour. Non, c'est pas toi. Bon, j'ai compris, hein, l'idée c'est de faire un spectacle, mais... Non... Non... Madame, c'est un puff, non? Bah, c'est qui Archie? Non. Bon, déjà on va passer la nuit. Ça me permettra de recharger un peu mes PM, tout ça, tout ça. Par contre, c'est qui Archie? Le... Tu sais, ouais, Archie, l'ami de mon père. Ouais, non, mais d'accord, mais. C'est toi? Non. Toi? Non.
Ah, on va te voir l'occasion de te parler, tu es le nouveau héros, tu conjures la malédiction de la fraise, celle de la danse. Alors, le futur c'est la danse, nous avons décidé de créer la parade phénoménale de Nana, le seul moyen de mettre cette star à profit. Nous allons faire une démonstration, allez, voyons ça. Et la parade commence, je crains le pire. Ah! Non mais... Non mais... Non mais non! Comment ça? C'est pas moi qui dois faire la démonstration. Oh mon dieu. Sylvando, qu'est-ce que tu fais? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on avance? Il faut qu'on avance jusqu'où? Comme ça? Non mais... Non mais... Non mais... Non mais, on va aller jusqu'où comme ça les gars? Vous savez qu'il y a des mobs là-bas. Oi oi oi. Non, par contre, sans déconner, on va aller jusqu'où comme ça? Parce que moi je veux bien faire une démonstration, mais... Mais voilà quoi. En plus, eux, vu la vitesse à laquelle ils avancent... J'imagine qu'on va jusqu'à la grotte du promontoire. C'est vrai qu'il y avait un monstre là-bas d'ailleurs. Il y est peut-être toujours. Bon, on va avancer jusqu'à la grotte du promontoire, on va voir. Mais non! Alors. La parade retourne dans le village. Aïe 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 aïe. Ok, bon, c'est bon, tu peux m'enlever cette tenue s'il te plaît. Rends-moi mon armure royale. Voilà. Et là donc il y a plus rien du coup. Si ce n'est un livre. Les secrets des eaux. Et je ne peux rien ailleurs, rien en faire. Ok. Bon, bah c'était l'occasion de revoir Sylvando et toute sa troupe, quoi. C'était l'idée, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du coup, au niveau des... Si je réutilise ça, d'ailleurs. Elle me dit autre chose, ma main. Oh, c'est... Non, c'est ça. C'est... J'ai l'impression que c'est vraiment l'objet qui sert à rien, quoi. C'est juste histoire de dire... Voilà, ok. Alors, la conque de la Reine des Mers, voyons. Donc dans la salle du trône de Sniffame, à Arborea, dans la cathédrale, un cadeau pour sauver la race humaine, carrément. Cornalian, patiente dans la salle du trône, éprouvé, désireux de renouer les liens avec celle qu'il n'a que peu élevée. D'accord. Donc, il faut aller voir le roi Cornalian, il faut aller à Sniffame, il faut aller à... J'ai déjà oublié. À Arborea. Ok. Eh bien écoutez, on fera ça dans le prochain épisode, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, c'était quand même bien sympa. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et moi je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite, salut tout le monde.